Comment... boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance? T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Regarde la route. Essaie de toucher le panneau. Si tu t'en sens capable, essaie de viser pile au milieu du haut. Et voilà! Le bruit les attire. On est en patrouille, oui ou non? On va s'en débarrasser. C'est du bon boulot. Encore quelques-uns. Pense à corriger la trajectoire de la balle. Mange ça. Il me plaît bien, ce fusil. Il en reste deux. T'as ça dans le sang. C'est bon, il n'y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans? Comme un genre de migration, ouais. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre rien. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi? Ah, un animal... Regarde près du pick-up, là. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent... Qu'est-ce que tu dis de ça? Nickel. On voit trois encore. Prends ton temps. T'as pris le coup de main? Yes. Il y en a encore deux. Ouais. Bien joué. Te précipite pas. Trouve ton rythme. Impressionne. Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois? Allez. Vas-y, allez. Ça sent l'automne. J'aime ça. Cette odeur de feuilles mortes. J'ai mis du temps à prendre le coup de main. Ouais, c'est les lois de la physique.
faudra que je raconte ça à Joël. Il en reste quelques-uns. J'espère que Joël n'oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. Pour tuer, on peut compter sur lui. Mais pour cuire... Disons que ça n'a jamais été son truc. Porridge, soupe, omelette... Toi, c'est un carnage. Et trois... Je sais qu'on est censé se débarrasser des corps. On n'a qu'à les laisser là. Il y en a d'autres, là-bas. Ah, j'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Donne-moi ça. Eh, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Mais Joël s'inquiète. Pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer. Ouais.
C'est vous qui avez fait tout ce raffut ? T'es sûr que tu veux pas venir ? Allez, vas-y. Il t'attend. Ok, on y va. Allez, suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les... comics Savage Starlight, que t'aimes bien? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? Tu sais... En fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Wouh. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. C'est trop marrant. Le magasin de musique est par là. Je vais pouvoir laisser les choses. Ouais. Ça me va. Eh, paillettes. Pas de bêtises, hein. Voilà le magasin de musique. Ouais, je le vois. Tu veux que je t'aide ? Ça va aller. À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi ? Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi alors ? T'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Chier. Ah, j'ai peut-être quelque chose. Tu crois que tu peux passer ? On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis ! Attends deux secondes ! D'accord. Je cherche. Tiens, salut. Salut. Impressionné ? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien.
Ellie, par ici. C'est flippant comme endroit. J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Mets ton masque. Oh, je suis obligée. Il y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? Bon, d'accord. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jesse ou Dina? Bien sûr que non. Ok, tant mieux. T'étais déjà venu ici? Non. On a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. Il est mort depuis un moment, on dirait. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps? Je sais pas trop. Il venait de chez nous? Non. Il ne manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Non, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Par là. Ellie, viens là. On est en patrouille, non? Ok. On s'en occupe. Ah!
J'arrive du balcon. Vers la droite. Par ici. Viens, dépêche. Encore d'autres ! C'est fini. On dirait bien. T'as assuré, Ellie. Bon, et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ça se présente pas mal par ici. Je te suis.